losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Là, je suis passée chez Naruto pour m'acheter une nouvelle batterie parce que la mienne, elle est presque morte. Je suis rentrée, je suis passée à Auchan acheter de la nourriture pour les chats parce qu'il reste que 3 sachets et il me reste un fond de croquettes. Donc là, j'ai refait le petit stock. Et je suis passée aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, chez Naruto pour me prendre une nouvelle batterie. Parce que hier j'ai démarré ma voiture et elle démarrait pas, donc on a fait les tests de la batterie et le souci venait de la batterie. Donc voilà, je suis partie en prendre une là-bas. Je suis partie aussi faire la comparaison des prix entre Auchan et Naruto au niveau des batteries. À Auchan elles sont beaucoup plus chères et en plus il n'y a pas de garantie, tandis que chez Naruto je l'ai pris à 80€ et il y a une garantie de 2 ans. Donc quand même ça reste cool quoi. Ils m'ont dit de conduire 15 jours avec la voiture et de repasser chez eux et ils vont me faire un diagnostic pour vérifier s'il n'y a pas de souci d'alternateur et s'il n'y a pas de souci au niveau de la batterie. Et c'est totalement gratuit. Donc à Auchan, j'ai pris de la nourriture pour les chats comme je vous ai dit et c'était 40 sachets pour 9€. Donc c'est grave raisonnable, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis pris un sandwich au thon, non pas du tout, au saumon, des petits concombres comme ça à la crème et puis un sac de croquettes, voilà. Le lendemain, il est 10h05, donc ce matin je me suis levée à 8h15, j'ai eu le temps de faire mon ménage, de me préparer, mais par contre j'ai pas fait de sport, voilà. Je pense que j'essaierai, si c'est pas le matin, de m'organiser et de faire le sport un petit peu plus tard dans la journée. Mais en attendant, je voulais juste vous partager quelque chose, je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais parlé de la fille Nadia Hammoudi, c'est une personne, voilà, c'est une coach qui s'intéresse et qui traite tout ce qui est développement personnel, spirituel, relationnel, organisationnel. Et comme vous savez, je suis en ce moment sur des lectures qui traitent du développement personnel et il y a certaines d'entre vous qui m'ont conseillé d'aller la suivre et après vos recommandations, je suis partie la suivre et je suis tombée littéralement amoureuse vraiment de cette fille là hormis le fait qu'elle est voilà motivante, elle est très intéressante dans son discours, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'elle reste fidèle à elle-même, elle reste fidèle à ses principes et ça c'est hyper important. C'est important de rester fidèle en fait à soi-même et surtout de rester fidèle à ses principes et ses valeurs. Quoi qu'il puisse se passer, on ne sait pas de quoi demain est fait, que ce soit positif ou négatif, il faut toujours se rattacher au plus essentiel et au plus important. Voilà, même si je ne suis pas toujours en train de vous parler de spiritualité, etc. Sachez que c'est quelque chose qui fait en très grande partie de ma vie, voilà, même si je ne suis pas là en train de... En fait, je vous en parle. Jamais. C'est un choix voulu de ma part de pas vouloir spécialement parler voilà de religion et même plein d'autres sujets que je ne parle pas voilà sur ma chaîne. C'est voulu, mais c'est important quand même de se rappeler de l'essentiel. Et justement, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle proposait sur son site. Je vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre, que ce soit sur Instagram, si vous êtes à la recherche peut-être de vous développer, que ce soit voilà spirituellement ou personnellement ou professionnellement. Elle fait vraiment des choses très intéressantes. Et un jour, elle faisait un petit live. Et pendant que j'étais en train de faire ma petite cuisine, c'était la vaisselle à Biarritz, voilà. Je l'avais juste de bol hein. Donc dans son live elle avait proposé un cadeau voilà à sa communauté, donc je considère que j'en faisais partie, donc j'ai profité du cadeau et donc elle a envoyé gratuitement, donc ça c'est à partir du moment où tu vas sur son site et tu entres ton adresse mail. Je sais pas si à l'heure actuelle où je vous parle vous pouvez encore télécharger cet agenda dont je vais vous parler très rapidement. En fait c'est un carnet de coaching de développement personnel et spirituel et moi je l'ai imprimé juste hier. Je voulais vraiment
pas le lire sur l'ordinateur ou le lire sur mon téléphone. Dans tous les cas, je pense que c'est important de l'imprimer parce que je crois que t'as pas trop le choix. Parce qu'il y a plein d'endroits où tu dois écrire, par exemple, qui est là pour moi. Il y a plein d'autres choses, hein, quel est l'objectif le plus important dans ma vie actuellement, quand voudrais-je atteindre cet objectif et pourquoi, qu'est-ce que je mettrai en place pour atteindre cet objectif, qui sont les 5 personnes les plus importantes dans ma vie. Et voilà, tu notes en fait, et c'est bien d'avoir une trace écrite en fait, et c'est ça que je trouve vraiment hyper ludique. Quel est le projet que je souhaite réaliser, quand voudrais-je le réaliser et pourquoi, ce qui m'empêche de le réaliser à ce jour. Enfin, franchement, il y a vraiment plein de trucs qui boostent et qui motivent, et surtout, bah, encore une fois, la trace écrite, je trouve que c'est hyper important, parce que bah, si t'es démotivé ou quoi, tu repars lire ce que t'as noté, tu dis ouais, mais en fait, c'est ça que je veux, donc il faut que je me motive pour le faire. Donc c'est vraiment un agenda, il n'y a pas énormément de lecture, c'est pas très embêtant à lire, c'est très facile à lire. Et par exemple, t'as le planning de l'année, janvier, février, donc bref, toute l'année, et tu notes tes objectifs peut-être de ces mois-ci. Bref, c'est vraiment le truc qui me ressemble, donc c'est pour ça que je l'ai de suite imprimé. À l'heure actuelle, je ne sais vraiment pas si c'est encore gratuit pour pouvoir le télécharger. Mais dans tous les cas, je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous mets son Instagram si vous voulez aller la suivre. Mais j'avais vraiment envie de vous partager son petit agenda, très bien fait vraiment, parce que je me dis que ça peut-être en intéresser plus d'une. Et puis bah voilà, moi je vais commencer, je pense cette semaine, à le remplir, à le lire, à surligner les passages qui m'intéressent, etc. Et puis je vous donnerai mon avis final une fois vraiment que j'aurai traité tout ce qu'il y a. Je vous reprends avec ma maman. Salut maman. Bonjour. Ça va? Bonjour tout le monde. Bon, alors là en fait on est parti à Quincy-sous-Sénart dans ce grand chapiteau. Non, pas Quincy, Boussy. Boussy-Saint-Antoine, bref, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, je sais jamais. C'est juste à côté de Cora, si vous êtes du secteur. Ils font un chapiteau avec des gros packs en promotion, que ce soit boissons, produits pour le linge, la nourriture, les gâteaux pour les enfants, les capriçonnes, bref, je vous montrerai un peu ce qu'on a pris. Franchement, on a fait quand même un bon caddie, mais vraiment avec des promotions super intéressantes. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que tout ça va rentrer dans ma voiture ? On prend ma voiture. Ça y est, je suis rentrée. Je vais vous montrer rapidement les petites courses que j'ai fait à Cora. C'est vrai que j'y vais pas tout le temps à Cora, mais honnêtement, il y avait des bonnes promotions parce qu'on est parti donc au grand chapiteau à côté de Cora, et après on est parti faire un petit tour à Cora. Alors j'ai pris de la nourriture pour les chats, et non, ça c'était au chapiteau. Autant pour moi, c'était les deux paquets pour 7 €. Donc c'est cool, en plus c'est la marque Gourmet, c'est la marque un peu la... Enfin, l'une des marques qui est assez chère au niveau de la nourriture pour les chats. Donc là, en fait, c'est des feuilletés au saumon sauvage du Pacifique. Et c'était les deux à 2,34 € ou 2,84 €. Je sais plus, mais c'était... Est-ce que je vous dis les bons prix ou pas? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Enfin, c'était à moins de 3 €, voilà. Et là, pareil, c'était des crêpes au fromage. Et c'était les deux lots à 2 €, à moins de 3 €. Voilà, ouais, c'est ça. Après j'ai pris donc Madame Loïc, c'est le fromage préféré d'Ayoub, donc j'en ai pris deux, et pareil c'était des lots de deux pour un prix hyper raisonnable. Ensuite j'ai pris 4 pizzas au fromage, en fait il y en a 3 qui sont offertes plus une. En fait c'était les 4 à 5,47 €. Ensuite j'ai pris des paniers donc fromage de chèvre, j'en ai pris qu'un. Et celui-ci était pareil à moins de 3 €. Après je vous cache pas que tout ce qui est crêpes au fromage, les feuilletés, les pizzas surgelées, etc. c'est pour le côté pratique, hein. Franchement quand t'as pas spécialement envie de cuisiner, ou même que bah voilà, t'as pas envie de passer des heures à la cuisine et que t'as pas aussi très très faim, et bah tu te mets ça avec une petite salade et ça passe bien. Même si Ayoub n'est pas du tout, mais alors pas du tout fan de tout ce qui est surgelé, boîte en conserve, encore moins les boîtes en conserve. Genre par exemple des fois j'achète, vous savez, des sauces tomates déjà préfaites en fait, et c'est vrai que bah il est pas trop fan de ça, et à chaque fois genre je suis trop deck parce qu'il faut que je fasse la sauce tomate maison, parce qu'il aime pas, même si j'en achète et il en mange, hein, il est pas compliqué, hein, c'est pas du tout le mec compliqué, mais c'est vrai qu'il préfère tout ce qui est bon légumes bien frais, la bonne viande bien fraîche, voilà, qui sort de la boucherie. Ayoub mange bien, franchement c'est quelqu'un qui sait manger, qui sait cuisiner. Hey, je lui fais des éloges de malade. Ayoub, tu likes cette vidéo, hein, si tu vois cette vidéo. Si vous voulez savoir, Ayoub ne regarde pas les vidéos. Voilà.
À part les vidéos de vacances, de voyages, de vacances quand on part en Espagne, quand on voyage, etc. Il aime bien se poser et regarder. Quoique je dis ça, mais il regarde vos commentaires. Bref, donc voilà, c'est vrai que tout ce qui est viande surgelée, etc., on n'en achète pas. C'est pour ça justement que on essaye quand on peut de partir au marché, quand on a le temps, d'aller acheter tout ce qui est légumes et d'aller acheter aussi la viande à la boucherie quand on a le temps. Par exemple les céréales, les gâteaux le matin, mais genre c'est mort. Même en journée les gâteaux ils n'en mangent pas. Moi aussi les gâteaux aujourd'hui j'en mange plus comme avant, ça c'est sûr. Mais tout ce qui est pain au chocolat, croissant, il en mange de temps en temps. Hein. Je dis qu'il en mange pas, mais il en mange de temps en temps. Mais c'est pas l'alimentation qui le fait le plus kiffer. Voilà, c'est plus les trucs bien frais. Mais en fait, ça, c'est sa maman qui a toujours super bien cuisiné, qui a toujours fait des super bons repas bien frais avec des bons légumes. Quelque chose dans le frigo, hein, encore une fois, c'est le plus important. Ensuite, j'ai pris des yaourts. Donc, c'était un pack de 12 yaourts plus 4 offerts. Donc, il y avait une bonne promo sur les yaourts. Ils étaient à 2,24€ et c'est des compotes. Voilà, enfin c'est même pas des yaourts, c'est des compotes. Et Ayoub aime beaucoup prendre ça le matin. J'ai pris du liquide vaisselle et c'était quand même un liquide vaisselle de 750ml à 1€ à Cora. Donc ça va. Après j'ai pris des yaourts de la marque Danone. Et pareil, ils étaient en promotion à 1,24€, 1,35€. Désolée, je sais plus, mais une bonne promo sur les yaourts à la vanille. Et pour terminer, je me suis acheté des écouteurs. Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai été contactée pour tester des écouteurs et j'ai complètement zappé de donner suite. C'est pas des vrais, c'est pas des Apple, c'est pas des écouteurs à combien, 170€ qu'Ayoub a pris. Mais j'ai quand même envie de tester et puis je vous cache pas que c'est hyper pratique parce que quand je le vois parler au téléphone avec les écouteurs, en fait il vit sa vie, il riche la vie sans tenir son téléphone. Et moi quand je passe ma plupart du temps au téléphone avec les rendez-vous etc, et ben je vous cache pas que ça c'est pratique. Voilà, donc ils étaient à 19,99€. Je testerai un petit peu plus tard, je vous donnerai mon avis et pourquoi pas faire une comparaison des vrais écouteurs Apple et des imitations. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Pour être totalement transparente avec vous, je vous ai complètement zappé. Je vous ai mis de côté, là vraiment j'étais focalisée sur quelque chose. Depuis 18h je suis là-dessus et je n'arrive pas à faire cette chose-là. Je galère littéralement et j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire autre chose. Donc j'étais partie tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on avait pris dans le chapiteau, mais entre temps je suis partie sur mon ordi et j'ai pas décroché de l'ordinateur jusqu'à maintenant. Je vous jure que depuis tout à l'heure j'arrive pas à me dire stop parce que j'arrive pas à passer à autre chose. Bref, ça c'est un défaut que j'ai, j'arrive pas à me dire bon écoute c'est pas grave, ça marche pas, reviens dessus demain, peut-être que tu trouveras la solution d'ici demain. C'est-à-dire que là, je ne vais pas me coucher tant que j'ai pas réussi. Et ça fait bien 4 heures que je suis dessus et j'ai toujours pas réussi, donc je comprends pas pourquoi là, dans 10 minutes, je vais réussir. Mais bon, sinon, en attendant, je voulais me préparer à manger. Mais bon, je ne vais pas me préparer à manger maintenant parce que je n'arrive pas à faire autre chose, comme je vous ai expliqué, si j'ai pas réussi mon truc. Donc dès que j'aurai terminé et dès que je serai vraiment saoulée jusque là, j'arrêterai. Mais là je me suis dit que j'allais terminer le vlog, comme ça au moins ça c'est fait. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, bon là il est assez tard déjà, Ayoub est au boulot, hein, c'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est trop marrant parce qu'avant Grizzly, ah ben voilà, j'allais dire ils jouaient pas ensemble et maintenant ils se mettent à jouer, mais non en fait là, Cacahuète il lui a mis une gifle. Ouais bref, Ayoub voilà, n'est pas encore rentré, il commence très très tôt et finit très très tard. Et demain on s'est dit écoute, demain on se prend une journée tous les deux. Il m'a organisé une surprise, il veut pas me dire ce que c'est, moi je pense que c'est, mais il m'a dit c'est une surprise, tu verras demain. Donc il m'a juste dit faut qu'on sorte de la maison vers 9h30-10h. Donc on verra tout ça dans le vlog de demain. Bref, j'ai hâte quand même de passer cette journée avec lui demain parce que parce que le travail nous submerge, voilà. Mais bon, c'est important hein, de travailler, c'est la santé et puis tant qu'on est jeune, il faut se donner maintenant, voilà, pour être un petit peu tranquille un peu plus tard.
Voilà, Inch'Allah. Bref, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Désolée, je voulais vraiment vous montrer les articles qu'on a pris au chapiteau, mais voilà. Voilà, c'est pas possible. Bref, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Désolée, je suis encore avec mon bandeau. J'arrive pas à faire cette clôture de vidéo. Je vous laisse. Bref, likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis nous, en attendant, on s'embrasse. Oui, ouais, on peut s'embrasser, c'est au bon. Je vous embrasse très très fort, c'est mieux comme ça. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.